Si le cuir ne constitue jamais directement le sujet des films de Maurice Pialat, il leur est souvent nécessaire. Pour le dire autrement, sa filmographie ne serait pas tout à fait la même sans le cuir. Et c'est précisément ça qui est intéressant et que nous allons tenter de décortiquer aujourd'hui à travers cette nouvelle carte blanche, le cuir chez Pialat. Que n'a-t-on écrit sur le cuir chez Pialat? Combien de bêtises dites à ce sujet? Ceux et celles qui se sont retrouvés au petit matin, exténués, à s'écharper encore avec un ami à propos de l'importance du cuir dans le cinéma de Maurice Pialat sauront de quoi je parle. Et justement, de quoi parle-t-on? Pour se livrer à une analyse honnête, il est nécessaire de bien redéfinir ce qu'est le cuir et ce qu'est Maurice Pialat. Le cuir, on le connaît. C'est un matériau, souvent luxueux, issu de la peau de certains mammifères et qui sert à revêtir meubles ou vêtements. Ça ne va pas du tout. Maurice Pialat, c'est tout à fait autre chose. Car quand bien même on aurait pu faire du cuir à partir de Maurice Pialat, l'inverse paraît plus improbable. S'il est un film de Pialat qui sent fort le cuir, c'est Loulou. Les cinéphiles auront beau m'objecter à raison qu'on y trouve aussi du velours, Loulou est avant tout un film cuir. Ce cuir, c'est la lourde carapace du voyou incarné par Gérard Depardieu. Équipé de son perfecto, Loulou est si sauvage qu'il n'a même pas besoin de rock'n'roll. Une simple biguine lui suffit à diffuser son sex-appeal. À l'encontre des règles les plus élémentaires de la thermodynamique, Loulou ne retire même pas son blouson pour danser avec Isabelle Huppert. Conséquence logique de la poussée de température qu'il génère autour de lui, le cuir suscite la violence. Car c'est là son paradoxe. Le cuir protège autant qu'il agresse. Le cuir est menace. Car celui ou celle qui s'en habille signifie qu'il a choisi de sentir l'animal et que les mots ne seront pas forcément son truc. C'est pourquoi, pour son Loulou, Pialat a bien fait de préférer le blouson de cuir au peignoir éponge, comme il aurait été tentant de le faire. Erreur que le bon Pabst, dans son propre Loulou, n'avait pas su éviter. Ancien peintre, Pialat se passionne naturellement pour le rendu des étoffes. Il sait le bénéfice qu'il peut tirer de leur juxtaposition. Ainsi, on observe ici que la flanelle l'emporte sur la fourrure, mais que le cuir l'emporte sur tout, y compris sur le cuivre. Guy Marchand en fait l'éclatante démonstration. Il pourra s'époumoner toute la nuit, jamais son solo de saxo n'arrachera la femme aimée des bras de Loulou. C'est parce que le cuir est un atout redoutable que le comédien ambitieux doit s'efforcer de réclamer du cuir au moment des essayages. C'est souvent la garantie d'un rôle de premier plan. Les cinéastes aguerris savent qu'un blouson de cuir viendra facilement compenser la faiblesse d'un personnage trop rapidement esquissé. Maurice Pialat le prouve superbement dans Police, en rehaussant par le cuir la personnalité encore tendre de la jeune Sophie Marceau. Aussi, le cuir permet-il de véritables économies sur le temps d'écriture? C'est là une vraie question à aborder avec son producteur, car bien des films de nos jours pâtissent d'un budget cuir insuffisant. Et lorsqu'il n'y a ni scénario ni cuir, le résultat peut parfois s'avérer catastrophique. Si le cuir intéresse autant Maurice Pialat, c'est sans doute parce qu'aucun autre tissu n'entretient avec l'humanité de rapports aussi étroits. Son usage n'est cependant pas sans risque. Les ingénieurs du son le savent, le cuir craque, parasite les dialogues et constitue avec le kaoué l'ennemi du perchman. Il n'est qu'à entendre cet extrait avant mixage de « Passe ton bac d'abord » pour s'en faire une idée. Même lorsqu'il semble en être dépourvu, les films de Maurice Pialat sentent encore le cuir. Ici, dans le final d'À nos amours, le maître choisit un simple impair de toile beige pour revenir d'entre les morts, livrer une copieuse engueulade à ses proches. Absent en apparence, le cuir est pourtant bien là. Ce cuir, c'est celui du cinéaste, cuir épais, résistant à tous les doutes, toutes les critiques, tous les cafés renversés de toutes les tables régies. Maman, qui cherchait une idée cadeau pour votre jeune cinéaste, n'attendait plus, optait pour une belle veste en cuir de Pialat.